Salut à tous, c'est DVD sur le stream. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Il est 18h30 pile poil, hein. C'est maintenant que ça commence du Super Street Fighter 4. Bien évidemment, c'est le programme de ce soir de 18h30 à 20h30 du Super Street. Alors, déjà savoir si tout fonctionne bien, est-ce que vous n'avez pas de problème de micro, patati ou patata. Normalement, ça devrait être bon. Je pourrais juste avoir une petite confirmation sur le chat. Alors, je suis uniquement sur le chat de Twitch, Twitch TV. Nickel, hein, cauchemardesque qui me confirme. Ok, bah écoutez, bienvenue à tous, hein. Attendez 2 secondes, je vais augmenter un petit peu le son puisqu'on me demande d'augmenter le son. Tac. Voilà. Là, c'est au maximum parce qu'après, évidemment, il y a le son du jeu qui va arriver. Allez, allez, donc on est parti pour du Super Street. Voilà, avec Ken qui est un gros plan. C'est Mister Ken. Allez, hop, c'est parti. Alors, l'émission va être coupée en plusieurs étapes, j'ai envie de dire. La première étape, c'est de jouer contre moi en direct. N'importe qui peut venir jouer. Newbie, fort, moyen, peu importe votre niveau, hein, si vous voulez progresser ou autre, n'hésitez pas à me contacter, vous envoyez en fait un message à mon game Windows Live, Lord DVD TV, je mets star. Voilà, hop, Super Street. Donc, on va aller sur le live. On va commencer directement. Combat infini, créer une partie. Je prends un créneau privé pour que personne ne puisse rentrer. Et voilà, vous envoyez un message à Lord DVD TV qui est ici. Vous avez mon nom qui est affiché à l'écran. Si vous souhaitez jouer contre moi ce soir, encore une fois, je vous le répète, c'est n'importe quel joueur, hein, peu importe votre niveau. Vous êtes vraiment les bienvenus, donc n'hésitez pas. Hein, c'est un stream, on va dire, fun avec les viewers. Voilà, donc si vous souhaitez jouer un petit peu en direct sur la Ogaming TV, vous pouvez vous envoyer FT2, Fight, ce que vous voulez, et on fait un petit BO3, FT2, hein, first to 2, premier arrivé à 2. Voilà, vous avez vu, hein, ça c'était justement les messages d'hier, FT2, 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 hein, tous les messages d'hier qu'il y a eu quand j'ai streamé sur Millennium. Alors, invite-moi si besoin de place, nous sommes donc le 13, hein, je vais donc classer les messages. Aurais-tu un conseil, un choix de personnage pour compléter? Ça, je n'ai pas. C'est pas maintenant. FT2, nous sommes donc le 12. Toujours encore le 12. Et le 13. Voilà, ça y est, c'est parti. Le premier joueur qui a envoyé son message à 18h32. Il est au taquet, lui. Hein. Eh bien, écoutez, pas de problème, on y va. Je vais attacher mon micro, afficher le profil, invitation à un jeu. Hop, c'est parti, c'est envoyé. Allez, c'est parti. Le premier joueur. Pour ce début de soirée, on va se castagner. Allez, en silence, on fait prêt. Et c'est parti pour le premier défi de ce soir. Le premier arrivé à 2. Oh là. Ok, bon, bah il est parti. À moins que ça marche pas. Il a fille. Hein. PDB Samo, afficher le profil, invitation à un jeu. PDB Samo qui est très souvent sur les streams. Toujours fidèle au poste, j'ai envie de dire. Un soldat comme on aimerait en avoir partout. Allez, prêt, c'est parti! Allez, hop. Bon, on va commencer. On va commencer. On va commencer. On va commencer par. On va commencer par qui, tiens? On va commencer par un perso. On va pas commencer par. Pas trop qui, on va prendre Gouki, tiens, allez, pour le style, Gouki versus Ryu. Allez, training stage pour éviter au maximum les lags, puisqu'évidemment je stream en même temps je joue. Et mon PC, ben, il peut saturer. Are you ready? Allez, PDB Samo qui a pris son Ryu en mode biker. La balayette, hein, qui a failli rentrer, le air Hadoken. Bon, il n'y a plus qui ne passera pas. Le Shoryu ici, anti-air. Le gros point qui a failli toucher. Allez, bien joué, ça. La chope qui va juste maintenant rentrer. Allez, c'est parti, encore les Hadoken. En veux-tu, en voilà. Hadoken, bien sûr, je me la suis mangée celle-là, mais c'est pas très très grave. Le bas moyen pied, air Hadoken. On saute pas sur Gouki.
Allez, encore une balayette, encore le Hadoken. Pour l'instant, hein, Gouki, il est bien, il est tranquille. Allez, attention, hein, pas de conneries. Bas moyen pied boule, on repousse au maximum, saving sur notre projectile. On recule, hein, on joue vraiment un jeu très simple, mais efficace. Et pour l'instant, PDB Samu un peu de mal à... Ah, bien joué ça, c'est rentré. J'allais dire un petit peu de mal à arriver, mais non, il est complètement là en fait pour l'instant. Ah, le HK qui va rentrer, la saving, pas moyen pied boule. Allez, le Hadoken, hein. Ouais, pour l'instant, vous avez vu, hein, j'ai tout est bien passé. La téléporte, le Hadoken X qui permet vraiment de pousser la balayette. Attention, hein, pas de bêtises. Attention au, comment dirais-je, au Hadoken X. Hein, je me suis mangé le projectile là, mais c'est pas très grave. Son gros pied double touche. La boule X n'est pas rentrée. La balayette, le Hadoken. Bien joué, ça, il esquive bien. Pas moyen pied boule. Et voilà, KO. Là, pour l'instant, c'est quand même serré. Hein, quand on regarde bien. Allez, attention au Demon Flip. La F-Kick qui va toucher ici. Pas moyen pied boule. Attention au Hadoken. La chope qui va maintenant rentrer. Dash avant, dash avant, dash avant. Le petit point sur moyen pied qui ne passera pas. C'est cancellé. Allez, le R Hadoken encore une fois. La balayette sur la garde. Allez, Hadoken. Bien joué. La boule X ici qui va justement. Hein, qui me fait retomber au sol. Le moyen point. Le gros point, pardon. Hein, ici qui stoppe complètement l'avancée de Ryu. Avant gros pied qui ne passera évidemment pas ici. La boule X sur la garde. Saving sur la boule. Hein. On est bien à la balayette. Encore une balayette. Attention, des bonnes flips, ça passe devant, derrière, c'est derrière, et Gouki qui se téléporte. C'était un peu grillé cette téléporte. Hein. La balayette qui rentre, le Demon Flip, en veux-tu, en voilà. Voilà, bas moyen pied, la boule X, hein, ça ne fera pas combo, mais c'est pas grave. Encore une fois, Gouki qui est vraiment bien, bien sur ses appuis. Le avant HK qui ne passera toujours pas, mais on le repousse au maximum. Le R Hadoken, encore un R Hadoken, le Demon Flip X, on rattrape, bas moyen pied, boule X, et voilà, ça y est. Le coup de l'arnaque qui fonctionne bien. Akuma win! Je ne suis pas le meilleur Akuma, hein, attention, hein, je suis même pas très très bon avec, mais j'applique juste un jeu basique, mais qui fonctionne pour l'instant contre Samo, qui a du mal, hein, qui a du mal à approcher le démon. Allez, 1-0 pour l'instant. Je vous rappelle que si vous souhaitez jouer contre moi, vous pouvez m'envoyer un message en direct sur le gamer tag. Enfin, le Game Windows Live, enfin appelez ça comme vous voulez, comment dirais-je, Lord DVD TV, hein, voilà, c'est à gauche, ici. Vous m'envoyez un message à ce nom qui est marqué en haut à gauche, et on joue ensemble. Allez, haha, Cody, hein, qui peut faire très très mal à Gouki, parce que Gouki, je vous rappelle qu'il n'a pas, il n'a pas la, il a pas la vie la plus puissante du jeu, en bas moyen pied ici, le bas moyen point. Attention, hein, pas de bêtises. La balayette qui rentre, le Demon Flip. Allez, encore un Demon Flip, c'est le bordel, moyen point boule, on recule. Pour l'instant c'est bon, hein. Ça passera pas ça. Hein. Les cailloux de Cody, la balayette qui fait 2 hits. Allez, Demon Flip maintenant. Encore un peu. On recule. La Savi qui va toucher la garde. Encore une R Hadoken. Bien joué la glissade. Hein. Très très bien joué ça. Le bas gros point anti-air. Complet, hein. Complètement. Il est vraiment complet ce bonhomme. Hein. Voilà, on passe devant derrière. Encore un bas gros point. Le Demon Flip, ça passe derrière. La chope, le coup de l'arnaque. Alors, bas moyen pied, encore un Demon Flip. Et la boule X, le Rakrobo qui est raté. Mais là, je pense que Cody est un peu dans le caca. Le R Hadoken, voilà, terminé. Pour l'instant, ça se passe très, très, très bien dans ce match. Le R Hadoken, toujours et encore avant HK. La saving qui va rentrer peut-être. Non, bas gros point ici qui a bien relevé Cody. Allez, attention le Demon Flip, bien joué, hein, bien joué à ça, petit point décalage chope. Allez, Demon Flip X, on s'arrête là. Hop là, la chope qui a été chopée. Ça ne passera évidemment pas. Ouais, le combo qui est complètement raté, mais ce n'est pas grave. Ouais, la boule X, hein, on repousse. Le caillou X qui a touché ici. Le bas gros point tir, hein, pas la peine de dragonner avec Gouki. Hein. C'est largement suffisant le bas gros point. Bien joué à ça. Hein. Ça c'est Armor Break. Ça casse les savings, ce coup, ce Ruffian Kick de Cody, pardon. Allez, Demon Flip maintenant. Bas moyen point. Et encore une fois la boule. On attend bien l'erreur de Cody. La saving sur la garde. Le R Hadoken, toujours encore une fois, qui zone parfaitement. Et pour l'instant, on est vraiment bien parti. Un bas moyen point et la boule. J'ai pu esquiver le Caillou X en faisant une R Hadoken. Attention à l'Ultra 2, hein, c'est un petit peu sa seule solution. Pour l'instant, pas de problème. Pas de problème. Peut-être que c'est maintenant ici. Attention, ça va être chancho. Le bas gros point. Vous avez vu, double touche. Bas gros point simplement. Et voilà. Akuma win. Akuma qui ici détruit le petit Cody. GG PDB Samo.
Il est parti. Évidemment, premier arrivé à 2. Je suis arrivé à 2 en premier. Ensuite, on va passer à... comment il s'appelle? Gros Bowser. Eh ben, c'est parti. Invitation à un jeu. Allez, c'est envoyé. Hop là, invitation envoyée. En attendant que le prochain joueur... Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser en même temps sur le chat. J'y répondrai. Le chat de Twitch. Parce que j'ai coupé IRC, hein, sinon après ça fout le bordel. Allez, on garde Gookie. Je suis parti sur un bon petit truc là contre Samo. Allez, maintenant évidemment c'est Vega. Vega qui va tenter de détruire le démon Akuma. Allez, j'ai pris l'Ultra 1 contre l'Ultra 1, pareil hein, de Vega. Le match-up commence ici, hein, commence déjà aux Ultras. Pour savoir un petit peu comment appréhender. Alors là, attention à ça. Comment dirais-je, le Barcelone qui ne passera pas beaucoup. Hein. Le dragon ici entière. Allez, le Demon Flip. Bas moyen point. Il a fait un flip. Bien joué à ça. Hein. Son moyen pied. Allez, décalage chop. Ça y est, c'est parti. Tatsumaki, le Demon Flip. C'est pas gardé. Hein. Bas moyen point. Et la boule extension à l'ultra peut-être ici. Et il prend super cher pour l'instant, le pauvre Vega. Petit pied, ça ne passera évidemment pas. Attention à l'ultra. Et voilà, Kakatekoi. Bas moyen point. Et le dragon. Il est quasiment mort. Attention à la relevée. Demon flip. Bien joué, il a fait un flip. Je pensais pas qu'il allait faire ça. La saving level 3 qui va rentrer. Balayette. Attention, on ne saute pas sur le Gookie. La saving. Et j'ai fait dash avant shop. Ça n'a pas fonctionné. Attention là, pour l'instant, il est chaud bouillant. Allez, le Hadoken. Attention à la shop éventuellement ici. Bas petit point ici. Et le bas gros point. Oh là là, vous avez vu moi ça. Regardez le bas gros point qui a tapé bien dans la tronche de Vega ici. Avec sa cagoule. Allez, une balle de match là, très rapide. Faut pas faire le con. Hein. Putain, la vache, comment c'est passé ça? Un peu incroyable quand même. Pas moyen point qui n'est pas sorti. La saving qui va peut-être rentrer ici. Enchaînement de light. Le Demon Flip. Bien joué. Il m'a coupé complètement. Le dragon à la relevée. Il n'y a pas de problème. Attention à ça. La saving hein, qui ne passera évidemment pas à cette distance. Allez, on se rapproche, il s'est pris la boule. Le bas gros point entier, le air Hadoken. La saving, hein, qui a failli toucher également. Pour l'instant, c'est cool, hein, tout se passe bien. Et l'ultra qui a pas passé, j'ai fait Tatsumaki en l'air, le coup de l'arnaque qui est bien arrivé. Allez, encore une saving, encore à Tatsu. Par contre, ça ne passera évidemment pas, ça aussi. Pas moyen pied boule, on essaie de le presser, ça ne passe pas non plus, la balayette. Le Demon Flip peut-être ici. Attention, la saving. Et j'ai fait l'ultra, il a pas sauté, et il est mort! Boum! Ultra combo finish! Extermination! L'ultra du mal qui vient de rentrer ici. On ne blague pas avec Akuma. Allez hop, on y retourne. Training stage. Allez, fight. Demon flip main qui n'est pas rentré. C'est une saving ici. Avant gros pied, hein, bien joué. Hein, s'il l'a bien attendu. Mais là, du coup, il a fait cette mauvaise manip. La boulex ici. Le air Hadoken, il passe derrière. Le bas moyen pied qui ne passera évidemment pas. La saving ici. Le bas gros point. Et le Tatsu et le dragon, attention à l'ultra à la relevée. Il a voulu la faire hein, sûrement, mais là, bien joué la chope. Et dans le coup de l'arnaque qui n'a pas fonctionné, le Demon Flip, quasiment impossible à casser ça. Hein. KO, la chope juste à la redescente. Le flip, hein, c'est pas non plus une solution, une véritable solution. Faut faire attention. Attention, hein, bien joué ça. Attends, ouais, Dragon Punch, là j'aurais pu le canceller, mais j'ai préféré garder mes barres de Hex pour plus tard. Attention, il a fait un flip, il aura pu le payer très cher. Hein. La saving encore une fois, la balayette qui ne passera évidemment pas. Yaouh! Ce gros point, hein, carrément pour stopper un peu l'ascension de Vega. La balayette qui ne passera toujours pas. Attention, hein, bien joué à ça, il m'a carotté. Par contre, la balayette qui va peut-être rentrer ici, Demon Flip. Encore une fois, la saving. Et c'est l'ultra qui va peut-être rentrer. Elle rentre! Voilà, voilà qui est fait. Attention à la relevée. Bas moyen, balayette, c'est pas rentré hein, parce que je suis un newbie en P-Link. Mais en tout cas, attention à l'ultra. Hein. Putain, bien joué, ça, le Barcelone X. Il m'a bien carotté ici là-dessus. Kakatekoi. Il veut me mettre l'ultra. Il veut me mettre l'ultra. Il veut me mettre l'ultra.
Il veut mettre l'ultra le sagouin. La balayette, le air Hadoken. Le démon flip. La chope. Arrête de flipper! On attend vraiment le coup de l'arnaque. L'ultra peut-être. Le air Hadoken. Karikat Tekoi, I'm behind you! Il va le faire l'ultra, il va le faire. On n'a plus qu'à attendre. Oh, bien joué! Bien joué, il m'a carotté. Rien à dire. Allez, balle de match du coup là. Ouais, Dragon Punch là, vraiment très très mal fait. La balayette, le Demon Flip. La Shop qui va rentrer. Le Air Hadoken. Bien joué ça, il s'est barré. On essaie vraiment de le minder. Allez, la boule qui rentre. Encore une boule. Le Demon Flip, hein. Dive Kick. Pas moyen point. Et décalage Shop. Là on est bien, là on est bien. Allez, on essaie de le presser bien comme il faut. Pratiquement le P. Pas moyen pied boulex. Le air Hadoken. Et le bas gros point. Double touche là, non? Ouais, double touche. Et voilà! Akuma win! Perfect! Allez, prochain joueur. Now! Allez, on est reparti. Le prochain joueur qui vient d'arriver, monsieur Tyler Kitano. Et lui, il aura le droit à Honda. Honda, le vrai, le gros, le porc, c'est lui. Honda qui fait tellement mal dans le jeu. Quand on arrive à gérer un petit peu les coups de tête, en veux-tu, en voilà. Quand on place les bons coups de tête au bon moment, je peux vous assurer que ça fait tellement mal. On va voir un petit peu ce que ça va donner contre une rose. Tyler Kitano qui joue rose. J'espère... Ah non, eh ben non, je suis trompé, il joue dictateur. Monsieur Bison. Bison versus Honda. C'est maintenant, tout de suite, sur Gaming. Allez, Tyler Kitano. Qui cette fois-ci va essayer de m'éclater. Voilà, c'est un match-up qui n'est... Qui évidemment... Ouais, Bay Punch qui vient de rentrer ici. Ouais, toujours encore ce high punch, hein, son moyen point. Bien joué la chop. Encore une chop. Simple mais efficace. Allez, bah, petit point, saut gros pied. Bah, petit point, le piano input. Encore un saut gros pied, bah, petit point. Toujours le piano hein, qui fait toujours mal contre le dictateur. Bien joué à ça. Allez, pourtant j'ai essayé de me faire carotte. La chop qui a été chopée. Allez, ça par contre, c'est une mauvaise option. Il a fait une bonne saving au bon moment. Est-ce qu'il va se prendre son ultra le coco? Et voilà, il a pris l'ultra évidemment, à punition totale. Doskoi! On ne fait pas de con contre Honda. La shop maintenant qui va rentrer. Attention, encore un coup de l'arnaque peut-être sur l'article High Punch. Bien joué, ça. Bon moment, il est parti. Mais là du coup, je gagne en vie. Hein. Donc pas la peine trop d'aller chercher les ennuis, pardon. S'approcher un petit peu. Attention à la glissade quand même. Petit point, hein. Il a essayé de choper comme ça, rose. Ça ne marchera pas ici. Allez, petit point, le HK qui a peut-être touché. Non. Bah, attention. Hein. Oh, le high punch qui n'est pas rentré. Allez, le ciseau qui rentre. Le knee press, hein. Il passe derrière maintenant. Mais je suis toujours à l'avantage à la vie. Dans le vent. Et le X, évidemment. Allez, c'est fait. Allez, balle de match pour Honda, somatic à l'high punch qui rentre. Et hop là, le Oisho qui suit. Allez, l'overhead qui rentre, on passe devant derrière. Bien joué à Torch X, mais qui ne touchera pas ici. Allez, attention, hein, pas de bêtises. Le bas petit point qui s'est fait péter par un knee press, c'est le saut moyen, moyen pied, pardon. Allez, on le presse comme on peut, ce dictateur. Le petit Doskoi qui est impunissable. Bien joué à ça, hein, évidemment. Ça rentre aussi, ça rentre par tous les côtés. Attention à ce high punch de Honda qui est tellement puissant. Doskoi sur garde, Doskoi X maintenant.
Et là, Dictator qui a un petit peu de mal à s'approcher de la montagne qu'est Honda. La chope qui est maintenant déchopée. HK qui punit automatiquement. Allez hop là, le Oisho maintenant à la relever. Le Kufu qui est pas rentré. On s'est fait un peu n'importe quoi. Allez, on recule. J'ai tout le time. Bien joué la glissade. Mais là, du coup, il a cancellé ses barres de Hex, pardon. Il a plus rien. Il a plus rien, le coco. Et l'Express. Et le Dusk Hex qui n'est pas sorti. Attention au saut. Bah, petit point, évidemment. Il a voulu rechoper. Et il se fait souiller. 1-0. 1-0 pour Honda. Alors, vous voyez, le plan de jeu, il est très simple, hein. Dès qu'Honda a l'avantage, que ce soit lui ou moi, et ben, évidemment, il faut trouver les options. Et l'option, il a du mal à la trouver. Il va sûrement prendre Rose. Eh non, il a pris Sakura. C'est un joueur de Rose habituellement, hein. Quand je l'affronte, Tyler, c'est souvent du Rose. Et là, malheureusement. Enfin, malheureusement. Peu importe. Alors, allez, double touche d'entrée de jeu, il n'a pas le temps avec Sakura. Ah, Sakura Honda, ça se joue vraiment au poke, hein. Double touche, HK qui vient de rentrer. Voilà, Hadoken. Saving sur la boule. On essaie vraiment de s'approcher au maximum. Et dès qu'elle tente la folle, là, il y a les punch qui rentre. Il faut vraiment être très fort, hein. Saving sur la boule. Ce high punch de Honda qui fait tellement mal, bah moyen pied qui vient de rentrer, moyen point, hein, moyen pied, faut vraiment le gérer, double touche encore une fois. Saving sur la boule, on recule. Hadoken. Le high punch qui rentre, le Doskoi, il n'y a pas de punition, il pouvait punir ici. Hein. Ouais, il pouvait punir complètement. Oh, il a sauté, oh, ça, il a sauté tellement au bon moment. Allez, par contre là, le saut était un peu incongru, puisqu'il se prend le Doskoi X. Faut vraiment s'approcher, hein. Bien joué l'overhead. Le high punch peut-être ici. Bien joué Tatsumaki X. Attention, on ne saute pas impunément sur Honda. Le petit Doskoi qui vient de rentrer. Il a plus beaucoup de PV, il va sûrement jump. La saving qui ne passera évidemment pas. Le petit point. Et voilà, double touche. Et il est quand même revenu, hein. Il est quand même revenu bien comme il faut. Du coup, c'est une balle de match, hein. Si je remporte ce round, c'est terminé. Attention au saut, hein. Ouais, j'ai pas puni, hein. Qu'est-ce que je suis bête. Coup de cul maintenant, le dash arrière. Ouais, l'overhead là qui n'est pas passé. La chope qui est bien évidemment déchopée. Pas gros point entier, hein. Classique de Honda. Ah, HK qui rentre dans le saut de Sakura. Faut vraiment chercher l'option ultime. Allez, ce gros point. Je vais essayer de me choper. Allez, bien joué ça. Ça passe devant, derrière. Tatsumaki X, hein, qui n'aura aucun effet. Oh putain, j'ai voulu sauter, il m'a carotté. Attention à la relever, soit il y a un gros point qui ne passera évidemment pas. On ne saute pas sur Honda, hein. Il se prend le piano input ici. Il va jump peut-être, non. Ah, bien joué la chop juste derrière. Encore une chop. Pourtant je déchope, hein. Là c'est redéchopé. Bah, petit point piano input, on attend le bon moment pour pouvoir le tuer. High punch en tir qui n'a pas rentré, vous avez vu, hein. Putain, c'est n'importe quoi ça par contre. Le light qui casse le high punch. Putain, j'aurais pu lui mettre la super ici. Le piano input, le Doskoi. Il reste plus beaucoup de vie maintenant pour Kitano. Ah, il y a high punch qui rentre, ce vertical high punch. Hadoken, c'est cancellé. Oh là là, il m'a chopé, je ne sais où. Dur, dur. Allez, balle de match. Si je remporte ce round, c'est terminé. Alors que lui, il a tout à faire. Allez, le Doskoi sur garde, il n'y a pas de dragon qui punit. Il a sauté. HK sur la garde. Un petit point Doskoi X. Doskoi. Allez, le X, hein, toujours pour s'échapper. Un petit point. Le piano input. Hadoken. Ça a mis sur la boule. Pas de problème jusqu'à là. La baguette qui ne passera évidemment pas. Ça, par contre, c'est gratos. Attention au double au saut. Putain, je fais high punch quoi. Ça rentre en counter hit. Et il va se prendre ultra, hein, directement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Punir par ultra, hein, c'est l'une des meilleures armes dans le jeu. Punissez à l'ultra, mes amis. Punissez à l'ultra. Le petit coup de tête, c'est cancellé pour le faire chier. Allez, ça gratte et ça gratte et ça gratte et ça gratte, évidemment. Honda qui gratte, qui ne fait que de gratter. Hein. Doskoi qui rentre. Le Hex maintenant. Ça y est. Il a pris cher ici, hein, le monsieur Honda. Monsieur Honda, monsieur, mademoiselle Camille, Capif, oh là là, un peu fatigué ce soir. Mister, Miss Sakura, pardon.
un bon gros coup de tête hein, dans les dans son dans ses je sais pas où. Elle a fait tatsumaki puis elle est morte. C'est tout ce que j'ai vu façon. Et ça fait bien bien mal. Alors lui tout à l'heure il avait un petit problème, ça a planté. On va voir si ça recommence. Je lui ai envoyé un message. Sinon c'est le prochain. Noobin. Alors salut, je ne sais pas si ta liste de joueurs est full, mais s'il y a une place, fais-moi signe. Allez! On continue, on va changer un peu de perso, on va prendre, on a pris Gouki, Akuma ici, on a pris Ronda, on va essayer de prendre maintenant un autre bonhomme, on va prendre, tiens, Feilong, changer, Feilong versus Dudley. Tu stream avec quelle résolution? Je joue en mode fenêtré, hein. Si tu veux que je te montre, merde, je trompais. Si tu veux que je te montre comment dirais-je, je te montre en fait mon écran de jeu, regarde, tu vas comprendre tout de suite avec comment je stream. Je stream comme ça, regarde, tu vois? C'est comme ça que je stream, avec une petite fenêtre, tout simplement. Voilà, tu as vu. C'est tout petit. Ça me fait chier de brancher deux écrans, donc ça me saoule, donc j'ai mis en mode fenêtré, hein, puis c'est tout. Allez, les Rekka là, sur la garde. Donc là, évidemment, quand l'écran est plus gros, c'est beaucoup plus facile. Hein. Là c'est un peu. Les distances sont un peu moins respectées, mais bon, c'est pas grave. Tiens, prends ça, Guignol. Allez hop! Gros point et le dragon, attention à la relever! Allez, le Rekka pour bien faire chier. Feilong, hein, dans toute sa splendeur, le stun, saving level 3! Gros point et le Shoryuken! Phoenix! Game Maken! C'est le Monsieur Phoenix, hein, par rapport à la vidéo que vous avez vue à l'instant. Allez, hop, 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 hop. Le dragon s'est cancellé, le chicken win. Pour l'instant, on le met dans le corner. Dragon qui ne passera évidemment pas. Le Rekka, saving level 3. Gros point, Rekka de feu. Le chicken win peut passer derrière. Le coup de l'arnaque. Le dragon punch maintenant. Attention à la relever. Le dragon qui est cancellé. Et c'est terminé. Feilong, la puissance du dragon qui vient de s'abattre ici sur le pauvre Dudley. Il a pris cher. Feilong qui fait mal, hein. Je vous rappelle que Feilong est vraiment l'un des deux personnages dans le jeu le plus puissant. Feilong et Camille sont vraiment les deux persos les plus forts hein, du jeu. Hein. Feilong parce qu'il a un zoning vraiment monstrueux. Et puis Camille parce qu'elle a des vortex dès qu'elle te fait tomber par terre. Le vortex, hein, c'est un jargon, c'est un terme qu'on utilise dans Street Fighter. C'est pour annoncer, pour préciser en fait que le personnage est un perso que dès qu'il vous fait tomber par terre, il a beaucoup de mix à la relever qui permet en fait de feinter ou autre. Et du coup, les vortex de Camille sont relativement importantes. Hein. Là pour l'instant, il a mis deux cocos dans la tronche. Ah, le Rekka qui ne passera évidemment pas ici. Dragon Punch, oh là, un petit peu bizarre. Là, on passe devant, derrière. Encore une fois le combo raté, mais le dragon qui est là pour récupérer. Allez, saut gros pied. Pas moyen. Rekka. Bien joué ça. Encore un Rekka. La saving peut-être ici. Attention le machine gun. Machine gun à ce secours de Dudley. Allez, Rekka toujours et encore. Va sûrement essayer de sauter. On ne saute pas sur Feilong. Son dragon est juste totalement craqué. Allez, on monte un peu la barre de super. Oh, bien joué machine gun X. Ah, le combo qui est raté. Allez, le petit Rekka sur garde. C'est non punissable ça. Hein. C'est gratuit. Allez, Rekka encore, toujours et encore. Se prend pas la tête. Le bagro point qui fait office vraiment de zoning au sol. Alors, encore une fois, le bagro point qui rentre. Vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, il se fait bien mal ce bagro point. Et du coup, le dragon il est sorti, mais il a pas tapé. Allez, bien joué le machine gun. Dash arrière. Le Rekka ici, peut-être maintenant. Passe devant, derrière. Pas moyen. Rekka. Attention hein, au saut. Le saut incongru de monsieur Dudley. Attention à la relever. L'overhead. Pas moyen, pied. On saute pas! Et session en terminée, attention au pif! Et le pif a été mindé! C'est le Rekka! Ça y est! Le pif à la relevée! Le bon pif français, hein, comme dirait Ken Bogard. Meurs pas sans ton pif! Comme dit Ken, et c'est exactement ça, hein, ne meurs pas sans ton pif! Allez, le Dragon Punch ici qui est pété, le bagro point encore une fois qui rentre! Allez, Feilong dans toute sa splendeur, hein, est en train de martyriser le pauvre Dudley! La saving ici sur la garde, le moyen point, encore une saving, on essaie vraiment de mettre dans le corner ce monsieur, le Chicken Wing, qui passe juste au-dessus, vous avez vu? J'ai passé au-dessus de sa tête, ça c'est rigolo! Un Chicken Wing, pas petit pied, un Chicken Wing! Pas petit pied, un chicken win, coup de l'arnaque,
et dash arrière. Et évidemment, bas pipi encore une fois. J'ai failli carotter, mais ça n'a pas fonctionné. Bas moyen point. Bas moyen point, toujours encore. Bas moyen point. Attention à l'erreur. Machine gun qui va toucher ici. La saving. Eh, j'ai reculé. Ah, j'ai raté l'ultra. C'était l'ultra ici. Hein. Attention à ça, la saving. 1, 2 et 3. Attention, attention à la relevée pif. Non, il a pas fait la chope qui est déchopée. Bien joué. Hein. Pour l'instant, il est un peu en galère. Mais bon, le Rekaex qui est complètement safe sur la garde. Le Rekaex encore une fois, la chope qui est déchopée toujours et encore. Il est assidu, mais c'est la fin. Le dragon qui est puni. Il n'y a plus beaucoup de PV. Attention, le Pyfe. Meurs pas sans ton pif, comme dirait Ken. Meurs pas sans ton pif. Ah putain, j'ai cru que j'allais le tuer sur la garde, mais ça n'a pas été le cas. Attention, le match de Chicken Win X. Bien joué, en train de remonter complètement ici. Et le Sogo arrière gros pied, le coup de l'arnaque. Caput. Allez hop, fini. Feilong win. Allez, c'était donc un FT2. Il y a combien là? Il y a 2-0. Ah, il va rejouer. Hein. Non, c'est fini mon gars. C'est 2-0. Dès que tu gagnes à 2 ou à 1. Tyler Kitano, c'était lui. Allez, c'est maintenant c'est celui-ci. Hop, afficher le profil, invitation à un jeu. Et on arrive dans quelques petites minutes. A tout de suite. Allez, hop. Prochain, next. On va prendre DJ pour la suite. Let's go. Training stage. La musique, c'est quoi? La musique, c'est Cyprien. Qui clash Cortex. Tapez sur YouTube Cyprien versus Cortex. Vous allez trouver la musique, sa chanson contre Cortex, qui est quand même d'ailleurs assez rigolote. Abel. Abel, pardon. Ce n'est pas Adèle Scott, évidemment. C'est Abel le français. Qui pour l'instant est en train de me gonfler. Mais moyen pied ici. On ne saute pas sur DJ, évidemment. Le short jump, le moyen pied. Hop là, le sobat, le short jump, bas moyen point. Encore le short jump. On le presse jusqu'au bout, ce français. La glissade qui ne passera évidemment pas. La saving qui va rentrer. Oh yeah! Allez, ça cancelle ça. On va le faire chier jusqu'au bout. Bien joué là, ça. On va leur vouloir reculer. Bah, gros point. Et c'est l'ultra! Tac. Oh, il a raté. Oh, son ultra qui est raté. Mais il place ici la chope. Attention à la relever. Et hop là, encore une chope. Attention encore à la relever. Bah, gros point. La roulade. Le stun, c'est fini. Terminé. Saving level 3. Le bah, gros point. Et c'est KO. Allez, deuxième round. Il a tout remonté en quelques secondes, hein, ce Abel. Shine. Le short jump, la chop. Le chopper chopé. Eh ouais, le coup de l'arnaque, mon gars. Il a pas vu ce qui se passait. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? La balayette. Le slash, la rolling X. Bien joué, hein. À la balayette, encore une fois. Attention à la relever. Encore une balayette, hein. Je fais pas le con. Allez, le short jump qui va, bien entendu, complètement massacrer le pauvre Abel qui prend très très cher en coin. Il fait s'en sortir, hein, le slash. Il va se le prendre ici. Bien joué à ça, le wall kick X, mais ça ne marchera évidemment pas. Bah, moyen point qui n'a pas fonctionné ici. Attention, la chope ici. Non, bien joué. La bah, glissade peut-être ici. Encore une fois, on trouve toutes les solutions. Toutes les... On tente tout, pardon. Hein. C'est pas les solutions que je trouve ici. Allez, attention ici à la balayette. On recule. La glissade qui va peut-être rentrer d'achat en arrière. La chope. Hé hé. Attention, le grattage. Bien joué. Il a esquivé. Double touche avec le moyen point entière. La balayette qui a failli rentrer. Attention. Attention à l'ultra qui pourrait tout casser. Le short jump pour reculer. Le sobat. Allez, on recule au maximum. Attention à l'ultra. Ce petit point. Le slash peut-être. Le short jump. Hey. 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 Et bien joué, le wheel kick X ici qui récupère le short jump. Double touche sur le bas gros point. Et ouais, on ne saute pas sur Abel parce qu'il a pu répliquer, mais il avait plus beaucoup de PV. Et du coup, c'est une balle de match. Alors par contre, là, je commence avec la super. La super qui est tellement puissante de DJ parce qu'il permet en fait de pouvoir canceller la super par l'ultra. Il va me surmettre le vortex. Et... la relevée, on ne saute pas sur DJ, bordel de merde. Je l'ai dit 50 000 fois, on ne saute pas. On ne saute pas sur Street Fighter. Le short jump, allez, ça passe devant derrière. C'est le bordel pour le pauvre Abel, le français, qui se fait pour l'instant totalement mindé. Le
Oh yeah, attention à ça. Hey, on l'a repoussé encore le sagouin. La chope qui n'a pas passé non plus. Attention, le bas gros point peut-être. Il cancelle tout. Attention, c'est chaud. Cacao. Non, c'est bien le Sobat qui touche la garde malheureusement pour lui. Et pas malheureusement pour moi, pardon. Et heureusement pour lui. Attention, j'ai la super qui est up, la glissade. Encore la glissade, peut-être ici, non? On essaie de le carotter, mais ça ne marche pas. Le slash. Et la glissade qui ne passera toujours pas. Il va essayer de me gratter. Allez, dash arrière, dash avant. C'est un peu le bordel. Dash arrière, la balayette. Oui et non. Balayette encore une fois. Ça passe devant, derrière. Oh, la Chopex, le salopio qui me met ici dans le corner. Dash arrière, balayette. Attention, le slash. La glissade qui rentre. Il est mort. Il est mort. C'est terminé. Tac, 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 tac. Et c'est le grattage ultime. Après, il y avait l'ultra qui a été cancellé. Il serait mort, quoi qu'il arrive, sur garde. Et bim! Dudley en forme, hein. Totalement en forme. En forme, le Dudley. Est-ce que ça a crashé? Non, ça n'a pas crashé. 1 à 0. Je vous rappelle que si vous souhaitez jouer contre moi, vous envoyez un message sur mon gamertag LordDVDTV. Et on jouera ensemble. Allez, on va essayer de faire un maximum de jouer un maximum de persos. Je n'ai pas la prétention de savoir les jouer parfaitement, mais je connais au moins les bases qui me permettent au moins de vous montrer un petit peu quelques combos et trucs sympas. Est-ce que tu peux jouer Blanca? Je regarde un petit peu les questions, hein. DVD, est-ce que tu veux mon trailer tout neuf en total exclu? Quel trailer? Quel trailer? Ah, pour l'instant, 2 secondes, hein. Je suis en train de m'occuper du French. Et bien joué ça, hein. Le mix qui a failli passer ici. Mais là, Cody, évidemment, qui est tellement puissant sur ses appuis. Le bas gros point qui ne passera pas ici. Le saut de Abel qui a ici, bien évidemment, empêché mon pressing. Avant moyen point, bas petit point. Allez, bas petit pied, pardon. Ha ha! Lapidation en direct. Attention, bas petit point. On saute pas sur le français. Bas petit pied. Et encore une fois la tornade. Attention à la relevée. Bas petit point. Allez hop là. On le gratte complètement. Allez, enfin, on essaie vraiment de lui faire un maximum de câlins. On a cancellé. On essaie vraiment de le rendre ouf. Allez, le caillou. La chope. Pour l'instant, tout est bon. Tout est bon comme dans le cochon. L'overhead. Terminé. Envoie-moi ton trailer. Comment il s'appelle? Kuramagal. Envoie-le-moi. Enfin, link-le sur le chat de Twitch. J'irai le chercher après. Allez, bas gros point. Ça fait mal. Ça cancel. C'est le bordel. Encore une chope qui rentre. Il est un peu perdu ici, hein. Allez, la boulex. Bien joué ça. Mais du coup, hein, la chope qui va rentrer maintenant. Attention à la relever. Bas petit pied, moyen pied. Complètement comprimé ici le français qui risque de prendre très 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 cher. Un petit Mickey Pock, magnifique. On est bien là, hein, le caillasse. Attention, bah, gros point qui a failli rentrer. Ça fait mal si ça rentre, hein, ça fait très très mal. Le petit pied, on esquive tout. On va prendre le couteau peut-être, s'il me laisse le temps de le prendre. Non, mais pour l'instant, il me met des kicks dans la gueule. Avant gros pied, le bas gros point, double touche. Hein. On passe devant, derrière. C'est devant, c'est derrière, le caillou X. Le Ruffian Kick a pas passé. Attention à la relevée. Dash arrière, bien joué le mix. Ouais, bien joué la chope qui va suivre. On bourre comme un porc et tu es mort. Oh lol. Oh, ce fail. Il avait esquivé pourtant. Il avait esquivé pourtant. Eh non, la rolling qui part dans le mauvais sens. Ah, je me moque pas, mais putain, j'avoue, c'était un peu rigolo là. Ranadien. Du coup, il y a 1-0. Voilà, c'est fait. Allez, on va donc exclure. Bien entendu, c'est une exclusion amicale. Hein. Bien entendu. 19h11, on a largement le temps. Prochain joueur, salut, pardon. Je suis up pour un FT2. Et bien, avec plaisir. Alors, avant toute chose, 2 secondes. Je vais juste. J'efface ça. Juste voir un petit peu son petit trailer à Coco, vite fait. Je vais juste le laisser le temps de se charger. World Game Cup, trailer 2013. Allez, je laisse se charger un petit peu et je vous le mettrai juste après, le temps qu'il se charge. Allez, on continue. Hop. Alors, je ne l'ai pas invité. Non, je ne crois pas. Alors, Just Soji King, je crois, hein, c'est ça. Hein. Just Soji King. Hop.
Invitation à un jeu. Kakaroto. Tout à l'heure j'ai vu Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, j'ai joué à Dragon Ball Z 3 sur Super NES tout à l'heure. Que des souvenirs. Putain, quand tu vois les. Quand tu vois les Dragon Ball Z d'avant et quand tu regardes les Dragon Ball Z de maintenant, c'est vraiment une honte quoi. Quand tu vois les nouveaux Dragon Ball d'aujourd'hui, putain, tout pourri. Et que tu vois les anciens Dragon Ball sur Super NES, tout simple, hein, en 2D. Ils pourraient tellement faire un jeu puissant avec les mangas quand même. On a que des guignols en développeur. Oh oh oh. Mademoiselle là qui tente de jouer avec ses boules. Dive-kick qui rentre. Allez attention. Hadoken. Encore un Hadoken. Ça passera pas ça, évidemment. Mais il fuit. Just Ojeking, il a raison. Le whip kick qui rentre maintenant. Ah, attention, il n'y a pas de dragon sur ce saut. Totalement grillé en plus, bon moyen pied boule. Attention à la relevée. La chope qui va rentrer maintenant. Attention encore une fois une pif à la relevée, non? Bon moyen pied boule. Ça fait deux hits combo. La saving. Bien joué le dive kick. Hadoken, avant moyen pied. On tente de se protéger hein, comme on peut. Encore un dive kick qui rentre. Tu sais que c'est pas safe ça. Hein. Si je garde, t'es mort. Hein. Surtout maintenant en plus. Hein. Tatsuma qui pour se rapprocher. Un moyen pied boule. On joue simplement. Hein. Simplement mais sûrement. Bien joué la boule entière. Bien joué encore une fois. Tiens! Est-ce que c'est intéressant de jouer au clavier? Comment dirais-je? Non, le clavier, moi honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Après, c'est vraiment chacun son truc quoi. Tiens, bah gros point, j'aurais pu mettre un dragon derrière. Le clavier, honnêtement, c'est pas génial quoi. Hein. Je dis juste, voilà, c'est mon point de vue. Donc après c'est vraiment une question de point de vue. Hein. Moi, je trouve pas que ce soit vraiment génial le clavier. C'est un peu comme jouer au FPS à la manette. C'est pas. Il y a des joueurs qui arrivent très très bien, mais en général je trouve que le clavier souris ça reste le best. Hein. On peut y arriver au clavier, mais je pense que non, je pense que la comparaison clavier pour les FPS et manette pour console, c'est encore moins bien, enfin c'est pas une bonne comparaison parce que sur console il y a des bons joueurs à la manette. Alors que sur Street, honnêtement les joueurs clavier, le peu qu'on en a vu, ils sont fait détruire quoi. Faut vraiment, je pense, c'est vraiment plus difficile. Hein. Allez, sur moyen pied. Saute pas hein, cocotte. On ne saute pas. On se rapproche. Par moyen pied boule. Bien joué ça. Ah non, c'est bourré. C'est bourré. C'est bourré. Et ça va se prendre le dragon. Et ça va se prendre l'ultra. Et crac. Est-ce que je joue à 2X? Non, je ne joue pas à 2X. Je joue uniquement à Super Street, un petit peu à Tekken Tag 2 et un petit peu à Street Fighter Cross Tekken. Voilà. Alors, il y a combien? 1-0. Allez, on continue avec Ken toujours et encore. Hadoken, Hadoken. 2X, j'aime bien, mais j'aime bien regarder en fait. En fait, 2X, c'est pas mon style de jeu. Il y a pas mal de trucs que je trouve. Enfin, le jeu est ancien maintenant, mais. Comment dirais-je je sais pas, 2X, moi je kiffe bien le Street Fighter 2X, mais j'aime pas y jouer quoi. C'est. Voilà. Enfin, c'est pas une question d'être un vieux con, mais je pense que là, ça fait un bout de temps qu'il existe, et maintenant, voilà, maintenant, aujourd'hui, on a d'autres jeux qui sont sortis entre temps. 2X, c'est sympa à regarder. C'est vrai que quand tu vois des trucs, il y a quand même des trucs un peu. Genre les shops qui sont un peu cracks quoi, hein, par rapport à aujourd'hui. Hein. Finalement, le dragon ici entière. On va prendre cher la cocotte. Ça passe pas, le dragon. Et là, je pense que c'est quasiment la fin des haricots pour la pauvre Jury. Hadoken. Saving sur la boule. Ou le kick. Hein. Bien joué ça. Hadoken. Allez, Hadoken.
Et voilà, Shoryuken. Exactement comme dirait Rastarokt, je pense que si tu veux jouer pour te faire plaisir, tu peux au clavier. Mais si tu veux jouer pour la gagne, entre guillemets, ou pour vraiment devenir fort au sens propre du terme, je pense pas que le clavier soit vraiment une bonne chose, hein. Tu es très 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 limité à la finale. Donc, on va envoyer un pied boule. Le Shoryu entière. Petit cross-up, petit pied décalage chop, c'était évident. Le Tatsumaki, le Dragon Punch qui est cancellé. Décalage chop peut-être encore une fois. Un moyen pied boule. Dive kick à toucher. Hadouken, Hadouken. Balayette. Là encore un Shoryu entière. On saute pas sur Ken, on saute sur personne. De toute façon, la punition et le Dragon X. C'est fini! Alors, on va mater un petit peu son fameux trailer là, vite fait. Pour voir un petit peu ce que c'est. Alors, on va faire un screen région très rapidos. Hop! Hop, la vidéo a fini de charger, je pense. Donc, deux petites secondes, elle est où cette vidéo? Elle est où? C'est le trailer de la World Game Cup qui vient de me dire. Alors, je la vois pas la vidéo. Hop, voilà. Attendez, je vais mettre play, ce sera plus facile. Mais ça a pas le son quand même. Ah putain de pute de merde! Attends, on recommence. Eh ben dis donc, ça blagouille pas, hein. Il blagouille pas le trailer. Il blagouille pas. Ouais, franchement, il est vraiment cool, hein. Rien à dire. Vraiment cool. Alors, bah du coup, maintenant, on est reparti, hein. On n'a pas attendu. Voilà, la World Game Cup, hein, qui aura lieu. Je vous le rappelle, hein, le 28 février. Du 28 février, non, du 1er mars, enfin, qu'aura lieu à la fin du mois, exactement le 1er mars. Moi, je pars jeudi 28 au soir. Je pars jeudi soir en TGV, j'arrive bah, jeudi soir, lol. Et ensuite, ah si, ça pourrait être sympa. Et j'arrive donc jeudi soir et je fais les tournois de vendredi, samedi et dimanche. Voilà, une seconde, qui c'est que j'ai déjà affronté? Gros Bowser, c'est fait. FT2, je suis newbie. Eh ben écoute, tu es newbie, mais ce n'est pas grave. Les newbies sont acceptés. Je vais juste te prendre une ultra en pleine tronche. Alors, prochain joueur. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas? Allez, je compte jusqu'à 5. S'il n'est pas là, kick. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, ton tour est passé. Next. Attention, attention, attention. Black, ah si, Black Lodge, il vient d'arriver. Il a de la chance. Hein. Il a de la chance, c'est pas grave, je prendrai l'autre après. Allez, on a pris Ken, maintenant on va prendre Oni, puisqu'il est débutant. Oni versus Rose. Hop là! Ça, allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va.
comme peur. Alors, ça charge. Salut Zéro. Pourquoi ils n'ont pas mis leur DVD dans les grands noms? Parce que je ne suis pas un grand nom. Tout simplement. Je ne suis pas un grand nom, je ne suis que un seigneur avec du sang bleu. Je n'ai pas assez puissant. Allez, Soul Spark entière. Allez, le dragon, lui, entière également. On blague pas avec le dragon d'Oni. Voilà, bon, moyen pied. Pour l'instant, Oni qui est très très bien. Soul Spark, Soul Spark, Soul Spark. Petit pied boule qui n'est pas évidemment sorti. Soul Spark. Ouais, la boule X, hein. Ouais, bien joué ça. Bien joué encore une fois. Il est pas débutant celui-là. Il est fort même. Alors, moyen pied boule. Le spiral. Soul Spark, Soul Spark. Le Soulstro. Pas moyen pied boule. La chope. Coup de l'arnaque peut-être ici. Eh ouais! La mauvaise garde! Soul Spark, toujours encore hein, le Soul Spark. Allez, la boule qui rentre ici en garde, le Soul Spark, toujours et encore. On revient pour un spiral. Ouais, ça stun, ça direct, ça fout au sol cash. C'est lui qui ne passera évidemment pas ici. Soul Spark, la chope ici. Allez, j'ai voulu faire un dragon, mais comme elle s'est tournée, ça m'a fait une fausse manip. Allez, le Soul Spark pété ici. Le Spiral X maintenant. Le Dragon Punch. Ouais, là, ça se laisse pas faire, hein. Bien joué ça. Avant gros point. Mais la sauter au bon moment. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Il se trompe complètement de manip. Ça passe devant derrière ça. Allez, la chope, déchopé. Soul Spark, Soul Spark. Le Soul Stro, bien joué. J'ai un peu dans la merde là. Hein. Ah ouais, tant pis. Un peu dans la merdouille. Mais bon. Final round. Allez, dash avant. Elle a voulu faire une Soul Spark. La boule. Soul Spark, toujours et encore. Soul Spark, Soul Spark. Tranquille, tranquille. Pourquoi il fait des Soul Stro, je comprends pas. Ah, la saving là-dedans qui passera évidemment pas. Attention à la boule. Le stun, saving level 3. Pour l'instant, on se fait bien découper la tronche. Et le Dragon X. Ça y est. Écrabouillé. Oni, il est vraiment violent quand même. Hein. La puissance d'Oni quand même est assez impressionnante. Allez, on reste sur Oni. On va prendre l'Ultra 2, l'Ultra 1, pardon, qui est pas mal. Allez, la garde sur Rose. Il garde la miss, hein, pas de problème. Rose versus Oni. Allez, Rose versus Oni. Oni qui n'est pas un perso très très souvent joué, pourtant il est pas mal. Hein. Mais il n'est pas souvent joué. Ah, il a pris le costume, le beau costume de Rose. Voilà, ça prend directement la boule de feu. Va moyen pied boule, le dash arrière. Bien joué ça, le spiral. On se rapproche. Soul Spark, pas de problème, pas de problème. Soul Spark. Merde, pourquoi j'ai sauté bêtement? Va moyen pied boule. Allez, double touche, même pas. Hein. Je me suis pas pris la boule. Si, je la prends maintenant, la balayette maintenant. C'est un petit peu lagué, mais ce n'est pas grave. La garde arrière, et ça va être l'ultra juste derrière. Putain, ça a même pas touché. La merdouille, ça. La boule de feu. Tu peux la renvoyer, je crois. Hein. Et la boule X maintenant. Attention, pas de conneries. Et voilà le Tatsumaki. Allez hop. Balle de match pour Oni. Si je remporte ce round, la Mademoiselle Rose est morte. Allez, avant gros point direct, hein, d'entrée de jeu, on blague pas avec ça. La Sami complètement ratée, décalage chop. C'est maintenant que tout se peut se faire, ça va tellement vite. Le stun ici, peut-être maintenant.
Bah, moyen pied et la boule ex. Passe devant derrière, bien joué. Le spiral qui n'a, enfin, le spiral, le réflexe qui n'a pas fonctionné. La boule, on l'agresse comme un dingue. La boule ex maintenant. Avant gros point, peut-être ici, son gros pied, la chope qui n'est pas déchopée. Et là, je pense qu'on s'en va vers le bourrage d'Ultra Dash avant et le Dragon Punch. Voilà, ça y est. Il s'est fait violence ici, Oni. Oni win! Allez, le prochain match dans deux petites minutes. A tout de suite, mes amis. A tout de suite. Phoenix, déchire ce son. Alors, qui je vais éliminer maintenant? Next, next, on va se taper dessus. Je compte jusqu'à 5. Si tu n'es pas là, mon ami, tu pars au cimetière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encore de la chair fraîche. De la chair fraîche, mes amis. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hey, il a pris ce qu'il fallait pas prendre. Il a pris l'incarnation du sushi. Mr. Honda. C'est quoi l'Honda musique? La musique, c'est Squartune. Squartune, hein, qui sont connus pour faire des remixes de musique. Et c'est Phoenix Genmaken. Alors lui il a compris direct, hein, il a bourré cash. Et bah les mecs qui bourrent, moi ils finissent directement au cimetière. Alors on va étaler Honda par terre. On va lui mettre du sushi en veux-tu en voilà. Allez, l'aspiratron. Voilà, dive kick. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Saving level 3, l'aspirateur, il a fait du VOJ à l'ancienne. Allez, l'aspiratron encore une fois, le 3-6, Honda qui est totalement perdu. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je ne sais plus ce que se passe. L'aspiratron, et hop là, encore un 3-6. Coin, 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 dash avant, l'aspiratron. Hop là, il n'a pas pu récupérer ça. Le Sonic Boom, et il est mort. Fuyant par un saut arrière. Balle de match pour 7, hein, qui est totalement craqué. Le coup de cul qui n'est pas une arme safe, je te rappelle. Attention à ça, attention à ça, pas de bêtises. Et là, c'est parti. 7 qui vient de trouver l'ouverture maintenant. C'est parti, on tourne les serviettes. On ne sait pas ce qui se passe. Et hop là, on est reparti pour un 3-6. On passe devant derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Hop, on lui marche dessus, on passe devant derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Allo, allo, allo la terre, allo la terre. 7 qui est totalement craqué. Et hop là, c'est reparti. Boum! C'est le stun qui fait bien mal. Saving level 3. L'aspirateur. Gros point Sonic Boom. Gros point Sonic Boom. Gros point. Bim! Et c'est le KO. On lui rebondit dessus. Oh bien joué de Sky X qui m'a touché quand même. Mais le high punch pour terminer le travail. 7 win! My name is Seth. Je suis le souverain absolu. Personne ne peut battre l'horrible personnage qu'est Seth. Canal Full qui a du mal à appuyer sur prêt. Il a du mal à appuyer sur prêt. Il se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Pourquoi? Pourquoi? Bah, écoute, hein, pourquoi pas. Alors on va changer de perso. On va prendre le russe, tiens. Allez, le russe contre Honda. Un combat de mastodon qui va avoir lieu en direct. Ah,
DVD, tu retournes quand au Meldon, c'est triste de plus te voir. Bah écoute, merci, mais le Meldon, je ne peux plus y aller pour des raisons d'emploi du temps, tout simplement. Et j'irai même plus du tout hein, en Meldon. Même si je kifferais bien. Il commence à m'énerver lui. Oh salaud. Le salaud. Double touche. Roscoe. Il mène le Honda. Il mène pour l'instant avec les Doskoi. Ouais, la main verte. Un petit point. Et le 3-6. Allez, c'est parti. Après 7, c'est le gros lard. Petit pied. Doskoi X maintenant. On se rapproche comme on peut. La main verte qui punit automatiquement le Doskoi. Ouais, le gros point qui ne passera évidemment pas. Doskoi. Hein, la main verte qui punit. Petit pied, moyen point. Doskoi X. Hop, attention à la saving du Rollard. Hein. Doskoi. Et voilà. C'est fini. Alors, Atomic. Basta. Allez, balle de match pour DVD. Si je remporte ce round, c'est terminé. Je veux bourrer Doskoi. Tu as... Oh, la mandale que je lui ai mis est tombée par terre. Première fois que je vois ça. Et hop. Un petit Doskoi, le coup du bidon. Ah, il va faire sûrement un Doskoi, regardez bien, la main verte qui punit. Et voilà, évidemment. Moyen point ici. Refais un Doskoi, s'il te plaît. Un coup de cul. Saving. Et hop. Le 3-6. On passe devant, derrière. C'est devant, c'est derrière. On sait pas trop ce qui se passe. Le moyen point, c'est le bordel. Bien joué, la main verte qui est un petit peu esquivée. Le 3-6-60. Et je pense que c'est quasiment terminé. Honda qui va sûrement bourrer un Doskoi. Voilà. Il va se prendre la main. Ah non, pas la main verte sur le X. Attention. Que va-t-il faire? Ah, ça, c'est pas assez interdit. Cassage de rein. Zangief win! Il y a combien là? Il y a 2-0. A bientôt! Kanaful, Kanatful, je sais pas comment son name. Allez, prochain joueur. Kalan01, afficher le profil, invitation à un jeu. C'est fait. Battons-nous, énorme glitch. Quoi? Énorme le glitch sur l'ultra. Ah ouais, j'avoue. C'était sympa. Il m'a mis la fessée. GG. Je suis pas mort sur mon pif, c'est bien. T'as le droit de pas mourir sur ton pif. Alors, tu es trop fort, j'y arriverai jamais. Bah non, je suis pas trop fort. C'est juste que tu connais pas beaucoup le jeu. C'est pas la même chose. Kalan01, qui n'est pas là. On va donc passer au prochain joueur. Moi, quand j'invite, faut venir. Il y a du monde derrière. Invitation à un jeu. Battons-nous, pas de problème. Allez, c'est envoyé. Allez, un petit jingle et j'arrive tout de suite. USA. Shoryuken, évidemment, le Shoryuken hein, qui est comment dire, le fameux Shoryuken de Ken. Là encore, la musique que vous avez entendue, c'est effectivement le même groupe qui a fait le remix de Ikki, de Phoenix. Hein. Sonic Boom versus, enfin Sonic Boom, pardon. Allez, remettre les lunettes, hop, on verra mieux. Attention, la balayette qui ne passera évidemment pas, le Sonic Boom. Le Hadoken, la baguette qui rentre, le Somersault ici, la fille un petit peu grillée ici, on avance avant gros point, oh, la barre qu'il a perdu, waouh, la chope qu'elle est chopée maintenant, faut bien regarder ce que fait Gookie. Hein. Ouais. Bien joué, il a sauté, mais j'ai pu mettre ma garde, double touche, encore un Sonic Boom avant gros pied, il a sauté au bon moment, balayette, bien joué, oh, DVD tu fais le con. Encore un somersault. Attention à la relever.
C'est cancellé. Sonic Boom. Sonic Boom. Ah, pour la peine, tu l'auras voulu. On va mettre la musique de Guile. Attention à ça. La chope qui est déchopée. Bien joué. Et le somersault. Là, là, je suis sale. Oh putain. Allez, il a mérité lui. Il m'a énervé. Allez, où la musique de Guile? Je cherche le son de Guile. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est parti. Allez. Sonic Boom. Tiens, somersault, rien à foutre. Moi, je vois tout. Même les frames. Là, je la chope. Enfoiré. Encore une chope qui est déchopée. Les Hadoken, Sonic Boom. Allez, Sonic Boom encore une fois. Allez, avant gros pied, ça passe derrière. La chope qui est déchopée maintenant. Bien joué la balayette. La chope qui rentre. Attention à la relever. Ouais, ça marchera pas ça. Sonic Boom X qui va toucher. Encore un Sonic Boom X. Attention à la boule X de Goki. C'est chaud. Sonic Boom. Le somersault. Et non Coco. Et bim. Guile win. Est-ce qu'il est beau gosse Guile quand même? Rien à dire. On va garder Guile, tiens. Allez. J'aime bien Guile. On va rester un peu avec lui. On va aller choisir un petit peu le son là. Je vais prendre une table de mixage, tiens, pour les streams. Ce serait vraiment pas mal. Ça permettrait de pouvoir être plus tranquille pour pouvoir streamer. Allez, c'est parti, Guile versus Akuma. Allez, fight. Sonic Boom. Allez, c'est le jeu de Street Fighter 2, ça. Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Allez, c'est lui qui rentre, gros point à Tatsumaki, y'a pas de dragon, balayette. Le somersault gardé, gros point à Tatsu. Tatsu, ouais, c'est ça. Et le Dragon Punch. La choc est déchopée maintenant. La boule X, le somersault. Le Dragon Punch est la relevée. Le Sonic Boom. Allez, double touche même pas. Allez, somersault. Sonic Boom. Bien joué. KO. Je sais pourquoi j'ai perdu. Parce que je mets pas mes lunettes. Attends, j'ai même pas temps de les mettre. Alors, gros point. Il saute beaucoup, il saute beaucoup. Hein. Il saute beaucoup ce joueur. On va donc le laisser un petit peu jouer. Allez, Sonic Boom. Putain, je vais passer en dessous. Je vais prendre cher, je vais prendre super cher. Ça suffit! Bien joué ça! Bien joué ça! Oh là 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 là! C'est inadmissible! Il m'a tué, l'enfoiré! 1 partout. Bon, ouais, c'est pas grave, je vais m'occuper de lui. Allez, j'ai perdu le premier match, je vais assurer le second. On va prendre Ronda maintenant pour assurer le défi jusqu'au bout. Je vais remettre la musique de Guile. Je suis choqué. Sonic Boom. Et Sonic Boom s'est transformé en Duskoi. Ça va pas être la même chose hein. Allez, ça va gratter direct hein. Son vertical high punch ici, bas petit point, le piano input, double piano peut-être, non, Duskoi, ça ne passera pas, la boule de feu qui va atterrir sur la garde, son vertical high punch de Honda, la saving sur la boule, son vertical pour esquiver les projectiles, c'est facile hein, pour l'instant, saving encore une fois, le Duskoi, esquivé, le Duskoi, non esquivé cette fois-ci, hein. La vie qui a fondu, bien évidemment, bas petit point, le piano input, on recule bien comme il faut, allez, essaie de m'attaquer, bien joué les mains flip main, Duskoi X ici, totalement gratos. Un petit point d'Oscar, il n'y a plus beaucoup de vie. Hein. Il cherche le. Voilà, il cherche ça. C'est pas un pif, hein. C'est bien ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas fonctionné. La seule maintenant qui va rentrer. Pas petit pied. Balle de match.
Balle de match. Sonic Boom. Il n'y a pas de Sonic Boom ici. Bye, hop, j'ai voulu faire un Shonage. On va essayer de le choper, ce joueur de Gookie. On va essayer de le faire rentrer un petit peu dans la légende. Doskoy X qui fait tellement mal ici. Doskoy X encore une fois. La boule X maintenant qui va me toucher. Le coup de cul. Le Doskoy cassé par un bas petit point. Bas moyen pied qui n'a pas rentré. Attention. Ah, il n'a pas fait de boule. Il a fait le gros point mais il n'a pas fait la boule. Et il n'y a pas d'ultra. C'est un fail total. Aucune punition, rien. Il est stressé ce Gookie. Il est stressé ce Gookie. Échappe dans le vent. Des mains flip main. Doskoy X à la relevée. Ça va être chaud pour lui. Pas moyen pied qui rentre. Bien joué ça. Et voilà. Honda win. Allez, on va faire un petit tournoi maintenant. Je sais pas s'il reste du monde. Il y a combien? Il y a 2-0. Je vais voir combien de joueurs il reste. Et suivant ce qu'il reste comme joueur, on va faire un petit tournoi. Allez, il reste plus qu'un joueur, c'est fini après. Hein. Je prends plus personne. Et on va lancer un mini tournoi. On va le commencer juste après ce défi. Comme ça, après, on sera... On va faire jouer un peu tout le monde. Et puis après, je rendrai l'antenne. Alors. Next joueur. Que fait-il ? J'espère qu'il n'a pas peur. Allez, je compte jusqu'à 5. Si tu n'es pas là, c'est terminé. 5, 4, 3, 2. Ah, il a eu de la chance. Hein. Il restait 2 secondes. Je prends plus de défis, c'est fini. Non, c'est terminé, je ne prends plus de défi. Allez, après c'est le mode tournoi. On va prendre Sagat, tiens. Sagat versus Rose, c'est maintenant en direct. Training stage. Allez mon Sagat. Tiger Shot, hein, peut-être. Dans moyen pied. Ballon point spirale, pardon. Tiger Shot, Tiger Shot. On fuit pas, hein. Sagat a bien joué ça. Un peu trop loin. Tiger Shot encore une fois. Bien joué à ça. Le Soul Spark. Ah, à mon avis, il joue bien lui. Hein. Tiger Shot. Je l'ai chopé mon coco. Encore des chopés. Mais chier quoi. La boule X. Ouais. Attention c'est chaud là. Bah, les Yates qui ne passera évidemment pas. Il m'a serré dans le coin. Hein. Impossible que je m'en sorte. Hein. Voilà, soit un gros point. Oh là là, il est chaud. Hein. Il n'est pas mauvais lui. Hein. Il m'a surpris un petit peu. La balayette maintenant. Hop, 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 hop. Tiger Shot, Tiger Kniex. Bah, la shop qui n'est pas sortie là, de Sagat, c'est moi qui me fais gober. Soul Spark qui ne passera évidemment pas. Tiger Shot, la boule X maintenant, Tiger Shot, Tiger Knee, mais ça passe dans le dos. Mais moi, ouais, c'est bon, là il me combote bien. Allez, Tiger Shot, Tiger Shot. Putain, je suis con. Il a peur de l'ultra, hein. Il a peur de l'ultra. Bien joué ça. Ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Eh, hey, le porc. Bien joué. Bien joué, hein, c'était serré à la fin.
Avant moyen pied, avant petit pied, pardon. Tiger Shot. Tiger Knee. Eh merde, j'ai pas fait ça. Combo qui passe pas, heureusement pour moi. La Boulex qui rentre par contre. Allez, Tiger Shot, bien joué le réflexe. Encore un TS. TS, évidemment, c'est le Tiger Shot. Le spiral, petit pic qui touche. Tiger Shot, saving sur la boule. Hein. Et voilà, le coup de l'arnaque qui rentre, la saving. Il s'est pris l'ultra 2. Il est pas trop mal. Hein. La Boulex qui va toucher maintenant, Tiger Shot. Encore un TS, on recule. Attention la Boulex. Hein. Là, sur ce plan-là, il est bien, Sagat. Hein. Il est très très bien. On recule totalement. On recule toujours et encore. Le petit pied qui peut toujours poker, Tiger Shot. Et le Tiger Uppercut. Eh ben dis donc. C'était chaud, hein. Très très chaud. Très 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 chaud. Contre ce joueur de rose. Il joue bien, dis donc, hein. Il joue bien ce joueur. Il est intéressant le match. Un bon joueur de rose, tiens. Sur PC, encore un de plus. Match très serré, hein. Ça s'est joué au dernier round, quasiment à la fin au niveau des PV. Soul Spark, TS, Tiger Shot. Petit pied, moyen point, Tiger Shot. Tiger Uppercut avant gros pied. Le TS X qui va passer. Bien joué ça, Soul Spark. Le spiral qui rentre maintenant. Attention. Ça passera pas ça, attention au bas gros point, il n'y a pas d'anti-air là-dessus. Je tente le tout pour le tout. Il a frappé, et ça y est. Il va se prendre ultra dans la gueule, hein, directement, la vie qu'il a perdue. Tiger Shot, attention, attention, on réflecte. Le Soul Spark, ce gros point, petit pied, on a pu lui faire un TSX, ça c'est pas sorti. La boule X, bah moyen point spiral, oh, putain, il a tapé vraiment de loin. Il a vraiment tapé de loin. C'est chaud, Miss Rose qui se défend ici, la Boulex, un Tiger Shot. Ah ouais, la saving qui pétait par le spiral qui est Armor Break. Armor Break, hein, c'est quand le coup permet de casser justement les savings, Tiger Shot. Allez, recule. Moi aussi je recule. Hein. Tiger Shot toujours et encore. Encore un TS. On recule, pour l'instant j'ai pris l'ascendant sur le round. Ça veut rien dire, hein. La Boulex maintenant, Tiger Shot. C'est chaud, le spiral qui rentre. Enfin, j'ai essayé de faire une saving là-dedans, c'est pas passé. Sauf qu'il est chopé. Allez, il se fait avoir pour l'instant, Tiger Shot, la Boulex. C'est chaud. C'est chaud, cache pas. On s'est vraiment donné tout ce qu'on a. Hein. Tiger Shot. Le réflexe qui passera pas. Bien joué ça. Attention au spiral. Ouais, bien joué le port. Oh là là, j'ai déchopé. Un partout. Eh bah dis donc. Donne du fil à retordre, hein. On va devoir sortir le gros sac. Allez, un partout. Va-t-il être le joueur qui va me faire tomber aujourd'hui? C'est possible, hein. Il joue bien. Allez, c'est parti. Après, on lance le mode tournoi. Et on va se battre dans le laboratoire secret de Mister 7. Anda versus Rose. Un match-up que je connais quand même pas mal. Pour avoir joué beaucoup contre Luffy. Alors ça évidemment les boules sont un petit peu à proscrire. Un petit point d'Oscoy, d'Oscoy qui rentre, la vie qu'elle a perdue, la petite rose, la gifle, Shaman de Light. Un moyen point spiral. La shop qui va rentrer juste derrière, on se prend pas la tête. Ah, évidemment si tu fais des savings, tu vas prendre cher. Là c'est quasiment mort. L'overhead. Pas moyen point. Bah petit point pardon, hein, qui poke bien. Un petit point d'Oscoy, il n'y a plus de vie. Hein. Un dégât de grattage. Voilà, battu point, c'est fini.
Là, c'est un peu différent. Hein. Honda qui campe beaucoup sur ses positions, qui empêche un petit peu Rose d'avancer. Dès qu'il balance les Doskoï, c'est chaud. Avant gros pied qui punit, hein, qui punit pas en fait. Hein. Bien joué, je spirale ici en réaction. Le Soul Spark, Soul Spark, Soul Spark. Et il se prend la gifle. Et hop là, Loïc Shonogé maintenant. C'est parti, c'est le bordel. Ça passe devant derrière. Et non, c'est la chope de Rose qui prime ici. Le coup de cul ici en réaction. Ça passe devant derrière, mais c'est derrière. C'est toujours bien gardé hein, de la part de Rose. Le Soul Spark cancellé. Attention, et ça, ici, il y a la chope. Doskoï qui va rentrer sur garde. Bien joué ça. Un petit point. Attention, si le piano rentre. Rose est morte et enterrée. Bien joué ça. Saving là-dessus. La chope, putain, c'était grillé quoi. À 50 km. 50 km, mais je me fais quand même baiser la gueule. Je me fais avoir, mais c'est pas grave, j'ai la super. Je peux toujours revenir. Le Soul Spark de trop peut-être, ce vertical high punch. Punch qui passera pas, bah gros point entière. Allez, bah petit point piano input qui est pas sorti. Le Doskoï qui va pianoter, hein, qui va péter le startup de la boule. On recule, ce vertical high punch. Là, j'ai bien joué ça, j'ai voulu le gifler, mais ça n'a pas fonctionné. Ce sont les coups de cul à relever, peut-être ici. La cancellé, le Soulstro. Ouais, il fait mal, il fait très très mal. Ouais, putain, c'est fait même très 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 mal. Bah petit point Doskoï, un autre Doskoï, full screen. Pas de punition là-dessus. Le coup de cul ici entière peut-être, non, ça ne marchera pas. Le Soul Spark. Hyper chaud, hein, hyper chaud. On essaie de le gratter avec un piano, mais ça ne marchera pas. Eh, il va se prendre la super peut-être. Loïc Shonogé. Attention à la relevée. Doskoï X dans le corner. Le X encore une fois. Le X encore une fois dans le backdash. Qu'est-ce que je suis sale. Qu'est-ce que je suis sale. Le spiral, le Soul Spark X. Pour l'instant, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Un petit point qui n'est pas passé, malheureusement. Je vais essayer de me gratter par un projectile. Il a joué le spiral. Et oh là, le Soulstro. Puni par Doskoï X. Oh, c'est chaud. C'était super chaud. Andawin, à mon avis, je pense que Soulstro à la fin, c'était une énorme erreur d'exécution. Et du coup, bah voilà. À la fin, ça a craqué. Il ne faut pas craquer contre Honda. C'est interdit. Bah, félicitations. C'était vraiment super tendu. Ouais, il y a bien 2-0. Allez, je vais donc changer. Je vais donc mettre un mode tournoi. C'était super serré, hein. Je vais donc changer, je vais mettre un mode tournoi, j'arrive dans quelques instants, à tout de suite. La musique, c'est Mario Kart 64 hein, sur la Nintendo 64. Quand vous finissez le stage, Wario, it's Halloween. Allez, perds pas de temps.
On va donc créer le mode tournoi Super Street. Il est 20h01, on se dépêche. Un tournoi spécial où il n'y aura que 4 joueurs. Les premiers qui rentrent, parce qu'en fait, après, je répondrai aux questions. Il y en a beaucoup. Enfin, il y a des questions. Après, je ferai une petite séance questions. Parce qu'à chaque fois, je dis ça et j'ai jamais le temps. Donc là, je vais anticiper. Il est 20h01. On va faire un tournoi très rapide. Attention, les 4 premiers qui rentrent dans la partie sont donc les joueurs. Attends, je vais me mettre. Voilà. Moi, je suis uniquement organisateur, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Créneau privé seulement. Alors, attention, les 4 premières personnes qui m'envoient up tout de suite maintenant feront le tournoi. Les 4 premières personnes qui m'envoient up, let's go, envoyez-moi ce que vous voulez, je m'en fous. Les 4 premières persos, il faut m'envoyer sur le message, hein, sur le gamer tag Lord DVDTV évidemment, pas sur le chat Twitch. Alors. Faut envoyer un message maintenant. Premier, c'est lui. Allez, on se dépêche. Il reste 3 places. Deuxième. Troisième, il est où? Troisième. Attention. Après PDB Samo, c'est qui le dernier? Qui va porter ses boules et qui va participer au tournoi de la mort? Lol, il y en a que 3. Et voilà! Ça y est, c'est fait. Allez, trop tard. Bon, les mecs, c'est pas la peine de me fouder la gueule. Trop tard, fallait envoyer ça avant. Ah ouais, vous pouvez envoyer des milliards de messages. C'est fini. J'ai mes 3 joueurs. Invitation à un jeu. Fallait se dépêcher. Waléo! It's Halloween! Alors, il reste après PDB Samo, je crois que c'était le dernier. Après PDB Samo, il est où PDB Samo? Il est là. BTP, c'est quoi? BTP Angel. Travaille dans le bâtiment, lui. Très drôle, ma blague. Allez, hop, on y va, les cocos. Bon, lui me saoule. Voilà, plus de musique. Mario Kart, ça va bien 5 minutes. Alors, on y va ou on y va pas? Attention, si tu rejoins pas, je quitte. 5, 4, 3, 2, 1. Tu n'es pas là, on prend le prochain. C'est lui. Hop. Fallait arriver avant. 5, 4, 3, 2, 1. Prochain. Les mecs, ils m'appellent. Ah, c'est bon, il est arrivé. Attention, je coupe le son parce que les mecs, ils vont... On s'excitait avec leur micro. 3, 2, 1, c'est parti pour ce mini tournoi pour le fun, bien entendu. Hein, c'est pour le fun, il n'y a rien à gagner. Quoique, peut-être, il y a peut-être quelque chose à gagner. En tout cas, c'est pas cette semaine, mais sachez que la semaine prochaine, j'aurai des clés. Alors, c'est pas encore sûr, hein. Mais il y a moyen que je puisse avoir des clés antivirus pour un logiciel d'antivirus Bitdefender qui voudrait un petit peu s'associer à mes streams. Donc, ça pourrait être sympa. J'offrirai des clés pour un an d'antivirus gratuit. J'en dis pas plus. Ce sera un petit cadeau comme ça à offrir. Hein. Allez. BTP Angel contre Kana. J'ai pas eu le temps de voir. Kana machin bidule. Première demi-finale. Alors ça va très très vite évidemment. C'est la première demi-finale puisque c'est un tournoi de 4 joueurs. Je vous rappelle tout de même qu'il n'y a qu'un seul match gagnant. Ça veut donc dire que celui qui perd est éliminé directement. Le royaume des morts est juste en dessous de leurs pieds. Et donc, c'est parti. Jury versus Honda. Première demi-finale de ce mini tournoi à l'arrache. En direct sur Gaming TV. 742 PP pour Angel. 491 pour Kana. Kana Full qui joue Honda. Doskoy piqué automatiquement arrêté par le projectile. Hein. Pas de Doskoy contre Jury qui zone bien. Dive kick, high punch qui rentre. Doskoy hein, cassé par le moyen pied. Encore un Doskoy. Il y en a rien à foutre ce Honda. Hein. Il bourre les coups de tête tant que ça marche. Remarquez la vie qu'il a perdue. Et il campe. Il a complètement raison le campouze. Lui je l'aime bien lui. Lui campe bien. High punch qui rentre. Bien joué encore une fois. Vous avez vu un peu la barre qu'elle a perdue cette Jury. Elle a pris tellement cher sur 3-4 coups. Elle a pris une barre en mousse. Alors je fais Mandai dans le corner.
qui est assez violent. Oh là, ça lag un petit peu. Par contre, les gars, faut couper le stream si vous jouez ou arrêter les téléchargements cochons. Parce que là, évidemment, ça va pas le faire. Si ça lag, bah évidemment, ça va être pourri. Hein. Moi, je peux rien faire à ça. Je crois que je vais peut-être virer quelqu'un, non? Non, je ne peux rien faire. Allez, pour l'instant, Honda qui est sur le point de remporter son match. Attention, c'est chaud. Plus beaucoup de vie pour Angel. Voilà, Doskoi, full screen. Il a tout compris, lui. Ça fait mal. Bah du coup c'est une balle de match hein. Honda versus Jury, le sumo X hein, qui ne passera pas ce coup de QX qui va tellement vite, mais elle a eu le temps de sauter en arrière. Elle a placé une chope juste derrière en punition. Alors encore une fois ça lagouille beaucoup hein. Franchement les mecs, c'est pas très cool de participer à un tournoi et d'avoir une connexion un peu grillée. Allez, le coup de Q ici qui a touché un poil sur la garde de Jury. Enchaînement de light ici dans le corner. Vipush qui ne passera évidemment pas. Attention Doskoi, voilà, il s'est pris dans l'entrejambe. La pauvre Jury, ça a dû faire très très mal dans l'endroit un petit peu intime. Allez, gros pied, petit pied sur garde. Vipush qui gifle hein, totalement ici, la pauvre Jury. Pour l'instant, Jury qui essaie de trouver les ouvertures et Honda qui campe complètement sur ce match. Ça passe devant derrière, mais il se fait encore avoir ici par une shop. Le sumo qui touche ici encore une fois en entière. Attention à la super et l'ultra chargée des deux côtés. Doskoi X de la part de Honda. Allez, balance l'ultra, c'est fini. Balance l'ultra, c'est fini. Doskoi, hein, il aurait pu balancer l'ultra, il l'aurait tué. High punch qui touche, bien joué. Et Doskoi X full screen. Ça y est, c'est fait. La sanction, et j'ai l'impression que c'est lui qui lag. C'est Kanafool qui lag. J'en suis même sûr. J'en suis même sûr. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autorité sur ce tournoi, je ne peux rien faire. Du coup, il est qualifié pour la première demi-finale. Et maintenant, c'est PDB Samo contre RJE. Comment il s'appelle lui? RJ quoi? J'ai pas eu le temps de voir son pseudo. Alors, quels sont les personnages qui vont être joués aujourd'hui pour cette deuxième demi-finale? Feilong versus Viper. Viper, c'est pas souvent qu'on la voit. Hein. C'est pas souvent. South America. Allez, c'est quoi RJE Kizer? D'accord. Allez, Kizer à gauche contre PDB Samo à droite qui joue Viper. Attention, ça va être chaud. Un burning kick d'entrée de jeu qui rentre. Burning kick sur garde, un bas moyen point de Feilong. Attention à ça, attention à pas faire trop d'erreurs ici. Là, ça commence vite fait le match. Hein. Vous avez des joueurs qui campent pas trop, ils préfèrent s'attaquer directement. Et forcément, ça fait perdre beaucoup de vie d'entrée de jeu. Au pauvre Feilong qui prend super cher pour l'instant son moyen pied ici en entière. Bas moyen point, Tonner Knuckle. Et là, l'Eureka après Chicken Wing qui passe bien un bas gros point ici dans le corner. C'est la mauvaise position. Et voilà, le moule à tarte, comme dirait Ken Bogard. Le moule à tarte qui électrocute le pauvre Feilong. Balle de match pour PDB Samo. S'il remporte ce round, il se qualifie directement pour la deuxième, pour la grande finale, pardon. Et il jouera contre le Honda à l'instant qui est victorieux, justement, de la Jury qu'on a vu à l'instant. Et pour l'instant, c'est mal parti hein, pour la pauvre Viper, mais qui récupère très, très, qui récupère doucement et sûrement son retard à l'énergie, même si elle se prend un gros dragon dans la goule. Attention à la relever, c'est super chaud. Bon, moyen point à Dark Knuckle. Allez, ça continue, ça rush, ça n'arrête pas. Ça gratte évidemment dans le corner. Bon, moyen point, moyen pique qui touche en counter hit. Ça va être super délicat. Le saving level 3 et l'ultra, c'est terminé. Bim, bam, bam, boum, bam, boum, boum. Ça y est, c'est fini. Il l'a brûlé. Elle l'a brûlé vive, t'as un cochon. Viper win! Et ben voilà! Nous l'avons notre finale! Nous l'avons notre finale! Viper contre Honda, à moins qu'il veut changer, hein, parce que PDB Samo joue quand même pas mal de persos. Va-t-il prendre Gookie? Va-t-il prendre Viper? Va-t-il prendre, je sais pas moi, Ryu? On l'a déjà vu, PDB Samo a joué pas mal de persos différents. Donc allons voir s'il va jouer Viper ou il va être divers. Jouer un petit peu la diversité. Moi je pense qu'il va prendre Gookie pour assurer une victoire. Parce que Akuma versus Honda, bah évidemment Akuma est plus fort que Honda. Hein. Et s'il gère bien. Eh non, il continue avec Viper. Viper versus Honda. Training stage évidemment. Pour éviter au maximum les lags. Cela va de soi. C'est la grande finale, mes amis. Qui va remporter ce tournoi? Are you ready? Bien sûr qu'on est ready. C'est parti. Allez, chaque coup encaissé
est un pas vers la défaite, évidemment, puisque c'est en un seul match gagnant. Et pour l'instant, il s'est pris une gifle sous verticale. Là, il kick en anti-air total ici de la part de monsieur Kanafoul qui prend un burning kick. Par contre, ça lag. Hein. Je confirme que c'est effectivement Kanafoul qui lag. Donc, je suis désolé, mais la prochaine fois, si je te revois, eh ben, je te prendrai pas. Sauf si tu corriges un petit peu tes latences. Mais là, pour l'instant, évidemment. Je sais pas si c'est le lag ou pas, mais là il se fait bien mindé par les Doskoy. Le coup de cul qui ne passera évidemment pas. Thunder Knuckle, bah moyen point, ça a gratté, ça a gratté, ça gratte toujours et encore, mais il se prend la gifle. Ça veut punir, ça se prend Doskoy X dans le backdash. C'est quasiment terminé. Bernicky qui touche un petit peu du bout de la main de Honda qui s'est fait brûler. Le high punch, on regarde. Attention Doskoy, il a sauté bien évité de la part de PDB Samo. Ça va être très dur de revenir, hein. Il a un dégât de grattage, un Doskoy de trop. Et voilà, il se l'est pris. Il est retombé légèrement dessus. Balle de match. Pour Kanafoul, s'il remporte ce round, c'est terminé. Il sera le grand champion de la O Gaming TV. Coup de cul, le mec! Direct, il n'en a rien à foutre. High punch en punition, Doskoy sur garde. Doskoy X en entière, on ne saute pas sur Honda, c'est juste interdit. Et là, pour l'instant, c'est chaud pour PDB Samo qui se reprend une gifle, se reprend un Doskoy. La barre de vie qui fond doucement mais sûrement. Le Sumo X, c'est quasiment terminé. PDB Samo qui est complètement... anéanti, hein. Il a plus de vie, Hercule. Il taunt, il tente un petit peu de trouver une ouverture. Doskoy sur garde, il n'y a pas de punition possible pour Viper. Burning Kick, c'est maintenant ou jamais. Allez, faut rusher, non, le High Punch qui touche en counter hit. C'est terminé. High Punch entière. Kanafoul qui n'aura fait finalement qu'une bouchée de PDB Samo. C'est une exécution qui a eu lieu ici en direct. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, que ça fait mal. Victoire! 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 Congratulations! Bravo à Kanafoul qui remporte donc cette coupe virtuelle. Ah, je confirme, regardez bien Kanafoul qui a justement ça. Il a C, vous voyez, hein, il y a vraiment il y a pas mal de lettres. Hein, vous voyez les lettres qu'il y a sur les ordinateurs. Et on remarque que tous les joueurs ont A. Hormis Kanafoul qui a C. Ça veut donc dire qu'il joue avec un PC soit qui est complètement moisi, ou soit en fait qu'il a mis, son jeu en haute résolution et du coup ça fait laguer les autres joueurs. Voilà pourquoi ça lag. C'est effectivement Kanafoul qui lag. Donc la prochaine fois, je le dis, hein, je le dis maintenant parce que bon, il n'y a rien à gagner, c'est certes, mais quand même, pour la fluidité du jeu et la beauté du jeu, la prochaine fois qu'une personne qui n'a pas A sur son PC sera pas pris. Pour les tournois et pour les sessions, je préviens tout de suite, dernière fois que j'accepte un joueur qui n'a pas un bon, entre guillemets, une bonne configuration PC. Voilà. Allez, il est 20h15, je vais donc rendre l'antenne pour 20h25 à peu près, pour laisser 5 minutes à la suite du programme, à la suite, pardon, à la suite des shootcasters qui vont prendre le relais, donc sur la Gaming TV. Donc, je vais répondre à vos questions en direct. Si vous souhaitez, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Alors, hop, hop, fais gaffe. Au lag, la dernière fois, j'aurais perdu quand même, peut-être, mais là, au moins, j'aurais pas dans la bouche. Les lags, je sais, je suis désolé. Je l'ai vu qu'après, malheureusement. Alors, j'ai un mauvais PC, eh oui. Tant pis, hein, c'est pas la fin du monde non plus, hein, les gars. C'est pas un tournoi avec des trucs à gagner. Hein. Alors, si vous souhaitez me suivre, hein, n'hésitez pas. Vous avez le Twitter, les bazars, les machins, les bidules qui sont à votre écran là, qui sont là. Donc voilà, hein, je vais juste vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer car c'est une question qui revient très régulièrement. Voici la configuration manette avec laquelle je joue. C'est celle-ci. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est ma configuration. Donc avec les boutons, hein, comme vous pouvez constater ici, vous avez donc petit point, moyen point, gros point. Et pour faire les 1000 mains de Honda, je slide. Hein. Du bouton vert, bleu, jusqu'au bouton orange. Ça fait vert, bleu, orange, bleu, orange. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait les 1000 mains avec Honda. Tout simplement. Non, je ne joue pas au stick. Hein.
question qu'on me pose, je ne joue à la manette et non au stick. Donc évidemment, évidemment, il y en a plein qui se disent, mais comment tu fais? Bah, je vais vous montrer comment on fait les mille mains. Vous allez voir. Alors, pour les PC, hein, parce qu'il y en a plein qui... Évidemment, je suis pas en train de taunter ceux qui ont un PC pourri. Voilà avec quoi je joue, moi. Je vous montre un paramètre graphique. Je suis en 640 x 480. Voici la résolution pour ceux qui ont un PC douteux. Là, je joue comme ça. Je peux mettre en full. Je peux mettre en full. Hein. Si je veux, je mets full. Mais le stream ne passera pas. Hein. Alors, quand je stream, je suis obligé de jouer comme ça. Voilà. Vous voyez là. Vous mettez... Bas, non, 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 haut, bas, défaut, fixe, oui, résolution. Ça, c'est la résolution minimale pour pouvoir jouer. Si vous mettez ça, vous avez automatiquement A. D'accord, vous voyez, si je fais un, test avec banc d'essai, regardez. Regardez-moi ça, Dragon Ball Z. Et voilà, j'ai A automatiquement. Et en fait, quand vous avez ça, et ben, vous pouvez moins laguer quand vous jouez. Je préfère avoir un jeu moins beau visuellement, mais ne pas laguer. Enfin, voilà, c'est tout simplement quoi. Alors. Il y a une couille là, en fait. Je viens de vérifier un truc. Je crois que c'est non, ça. Ah oui, merde, c'est non ici. Et là, c'est fixe. Ouais, normalement, c'est bon. Là. Ça doit être encore mieux, même. Bon, dessert, on va essayer. Ouais, de toute façon, on s'en fout, ça change rien. Bon, bref, donc les mille mains de Honda. Alors, est-ce que je joue en tournoi avec une manette? Bah oui, hein, évidemment. Je joue en tournoi avec, avec une manette. Tous les tournois que je fais, de toute façon, je joue à Street Fighter avec une manette. Je joue à Tekken Tag 2 avec une manette. À tous les jeux de combat, je joue avec un pad. Donc, alors, je vais donc vous montrer tout de suite les mille mains de Honda. Alors, je vais mettre affichage des commandes quand même pour que vous puissiez voir. Affichage des commandes, oui. Alors, petit point, moyen point, gros point, d'accord. Petit, moyen, alors je vais baisser ça. Petit, moyen, grand. Petit pied, moyen pied, gros pied. Donc vous voyez, c'est la configuration qui est ici. Flypad, c'est là. Vous voyez. Donc petit, moyen, grand. Le but, c'est de faire petit, moyen, grand. Ok. Donc je vous explique. Vous faites petit point. Donc le vert, le bleu, le orange. Vous revenez sur le bleu et vous revenez sur le orange. Et ça va vous donner, justement ceci. Regardez bien. Vous arrivez sur le gars, vous faites ça. Voilà. Ça vous fait 5 touches. Et les touches, bon là en fait les touches sont mal affichées à l'écran, hein. Mais ça fait effectivement 5 touches tout simplement. Donc voilà, hop, là encore une fois on les voit. Faut que ça fasse, quoi qu'il arrive, 5 touches et c'est juste parfait. Voilà, là encore une fois, elles y sont. Là encore une fois, elles y sont. Là encore une fois, elles y sont. Voilà les mille mains de Honda avec une manette. Donc voilà, hein, je vous rappelle encore une fois la configuration pour pouvoir... Ça c'est ma configuration personnelle, hein, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est celle que je mets pour pouvoir jouer et faire les tournois et tout le bazar, quoi. Alors, une autre question. Il y a un IRC pour poser des questions à DVD. Non, tu peux poser tes questions directement sur le chat Twitch. J'y suis actuellement. Allez, il vous reste 5 minutes, après je coupe. Il n'y a aucun tournoi où les manettes sont interdites qui dit Swappy DJ. Non, Swappy DJ. Il n'y a aucun tournoi où les manettes sont interdites. Je peux te le confirmer à 150%. Ça n'existe pas les tournois uniquement. À moins que c'est un tournoi arcade. Si c'est un tournoi arcade, effectivement, bah évidemment, hein, comme c'est arcade, les joueurs qui jouent au pad ne peuvent pas participer par défaut par rapport au confort de jeu. Mais tous les tournois qu'il y a, n'importe où, que ce soit à l'Evo ou n'importe où, même au 25 ans de Capcom, la Coupe du Monde, c'était effectivement arcade stick, tu faisais ce que tu voulais. Ensuite, tu peux filmer ta manette, j'ai pas de caméra. Tiens, une question, quelle option viable pour avoir Jury? À part sa Tornade X à la relevée. La Tornade X à la relevée de Jury, c'est l'une des meilleures armes du jeu en termes de reversal. Mais évidemment, si tu es, si je prends l'exemple là de Honda, c'est-à-dire, on
montrer. Je prends l'exemple de Honda par exemple ici. Voilà, voici, je vais prendre Honda. Voilà. Pour savoir en gros que pour utiliser votre training un peu plus sérieusement, vous prenez Jury, allez-vous cette troupe là. Voilà. Et en fait, tu te fais enregistrer, tu regardes tout ce qui est valable ou pas valable. Alors, regardez, tu vas voir, c'est facile. Hello, les stars. On fait enregistrer. Voilà. Donc là, on va enregistrer Jury qui fait le wheel kick. On reste en garde. D'accord. Et là, à la relevée, malheureusement, tu vas constater. Je pense que tu le sais déjà. Mais c'est pour montrer justement les punitions. Là, je fais l'ultra. Allez en garde, allez en garde. Ah, non, elle n'est pas en garde. Parce qu'elle est morte, tout simplement. En fait, la punition de wheel kick, il faut le garder, en garde haute. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais faire enregistrer. Voilà. Hop. Je vais la faire sauter. Ici. On saute. Merde, j'ai raté. Hop, j'ai fait sauter le wheel kick. Et je reste en garde. Bien longtemps, exprès. Voilà, là, je suis en garde. Ok. Après, on fait replay. Tac. Voilà, je reste en garde. Si je reste en garde basse, c'est que je fais. Voilà. De toute façon, garde basse ou autre, c'est mort. Là, elle va faire le wheel kick. On fait la super. Et la super rentre punie, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est interdit. Ensuite elle recommence. Là tu fais l'ultra, pareil, ça rentre aussi. La punition est juste totalement gratos. Hein. Dès que Jury fait un wheel kick comme ça gratuitement, c'est automatiquement l'ultra. Là je l'ai mal faite. Il faut la garder en garde haute. Et voilà, en fait voilà, c'est reversa et là ça rentre, quoi qu'il arrive. Donc tu perds 500 de damage. C'est énorme, hein. Vous voyez la barre qu'elle a perdu, Jury en haut à droite. Vous avez vu un peu la barre qu'elle a perdu sur une simple relevée X. Ça fait très 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 mal. Ensuite, voilà. Mais sinon, en termes de ça, en termes de rentabilité, bah, Jury, c'est bien de piffer un petit peu les X wheel kick à la relevée quand le joueur en face n'a pas beaucoup de punition. Dès qu'il commence à avoir des ultras à gogo, c'est pas trop conseillé. Voilà. Donc il est 20h23. Je vais bientôt vous laisser. Je vais couper le stream. Voilà, donc si vous souhaitez m'ajouter hein, sur Twitter, Facebook, pour être au courant des futurs streams que je ferai, aussi bien sur Gaming que sur d'autres chaînes concurrentes que je ne citerai pas, et ben n'hésitez pas à m'ajouter, ce sera vraiment avec plaisir. Si vous voulez me contacter ou me poser des questions sur Street Fighter ou n'importe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et puis c'est tout. Voilà. Merci. À bientôt. Excellente fin de soirée. Et plein de Doskoy. Allez, ciao. USA. Round 1, 2, 3, 4.